On savait que ça allait être un match très difficile, où on allait avoir peu de possession de balle. Mais on s'était dit, au plus on restait dans la partie à 0-0, au mieux c'était pour nous. Et malheureusement, on prend un but assez rapidement. Après, on a eu des opportunités. Mais voilà, il a manqué quelque chose ce soir. Mais voilà, malheureusement, on sort de cette compétition et on est déçus. On a eu les opportunités, mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et voilà, maintenant, c'est vrai qu'on est à. Bon, pour ma part, je suis assez déçu quand même, puisqu'on pouvait. Et voilà, ce soir, on repart déçu, frustré. Et surtout, on sort de la compétition. Donc voilà, c'est dommage. Après, on apprend. Voilà, on regroupe un ces jeunes et voilà, on acquiert de l'expérience. Mais on est quand même déçu ce soir. Il fallait pousser, il fallait essayer d'accélérer un petit peu. Et voilà, donc il a manqué, comme j'ai dit, ce but. Voilà, mais il y a des bonnes choses à retenir. Et voilà, il va falloir travailler, continuer de travailler. C'est la fin d'une aventure de 2 ans, hein, d'un cycle de 2 ans. Ouais, on avait beaucoup travaillé pour ça. Je pense qu'on n'a pas été ridicule. Voilà, après, notre objectif principal était sortir des poules. Après, une fois sorti des poules, tout était remis à zéro. Et on savait que sur un match, on pouvait faire un exploit. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais maintenant, je pense que voilà, on travaille pour la Coupe du Monde aussi. Il y aura 2 ans maintenant où on va rejouer les Espagnols de qualification. Et voilà, l'objectif, ça va être de se qualifier pour le mondial pour bien sûr aller à la Coupe du Monde.